Rwandais, bah bomier, bah barré. Nakati ya bitumba wana, donc général na bango moko a d'ailleurs trois officiers na bango baza en détention ba kangaki bango ba prisonniers de guerre trois ba tiki ba armé ba tiki biloko belé et deux autres militaires libérants bazala qui peut arrêter tala eloko elaki si force de frappe oyo ba congolais ba na ngodo na minute toujours ba boye Bunagana eza na maboko ya armée régulière donc ya ba FARDC na biso. Bonjour président Gustave. Oui, bonjour mon Amboka. Président Gustave, bah Congo Live télévision à mission comme on a aussi j'ajoute mon c'est que vous mettez bango juste bah toi été aux de 44 pour casser du Congo passé. Vous avez même placé vous expliquer bah Imboka. Qu'est-ce qui se passe dans la République démocratique du Congo Mboka c'est notre bango Mboka papa Étienne Tshisekedi Imboka Laurent Désiré Kabila. Boni situation à la République du Congo. En fait, quand on a souhaité aller à Bunagana, Mboka zai ko tambola ndenge ni mona Mboka. Oui, Mboka na biso en général ezali ko tambusa ma malamu jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que tozana bisika o to utaki na Mboka na biso, tozana bisika o pe tozali ko kende na yango. Soit to lobi to comparer yango na bané o eleka, nous allons comprendre qu'il y a quand même des changements majeur na kati ya mboka na biso côté infrastructure tokoyi kolobela yango côté je dirais santé il y a quand même un changement côté éducation hein, donc là nous parlons de des études de l'enseignement biso moto zomo na quand même qu'il y a un changement na angle wana voilà du reste na oui tikali babiloko neti ya kolia on se bat donc wana na lobaka yango tilelo. On se bat pour donner à la population congolaise d'amaze à gogo. Parce que tout le monde a Bukangalonzo au Yalelo, et Zalite Lokola Bukangalonzo et les Kaka époque Yamata Tamponio, Mbongo Baloni, na Bukangalonzo, Masangu, et Kikobota Université, Kuna Nanini na Maniema. Donc, au Yabiso Lelo, Toloni, Masangu, na Bukangalonzo, tout le monde a Masangu, et Zalite Lokola sa population. Bien que ça ne nous suffisant pas, parce que la population congolaise a vraiment ébélé Makasi et tout ça, il y a un peu Makasi. Voilà. Je suis très heureux de vous parler. Je suis toujours heureux de vous donner un peu de Kabila Tiki, mais on est là, Kabila Tiki, mais on est là quand même. Kabila Tiki, mais on est là, mais courant. Mais qu'est-ce que vous avez pour pouvoir en place pour vous? Vous avez un peu de non, écoutez, Kabila Tiki, mais on est là, Kabila Tiki, mais on est courant. Kabila ayaki kokuta mai kaka oyo mobutu asala wana nde yango ye aye ko profiter na yango aye kokuta kaka courant o tozalaka na yango na ya inga na ya zongo yango azali ko profiter na yango mais lelo o vous serez d'accord avec moi que avec le président Félix Antoine Tshisekedi lelo tozali na deux stations d'eau o tozali ko bakisa na population ya Kinshasa. Station Moko Ezali na Ngaliema, station Ezali na Njile Brasserie. Donc au bientôt là et quoi alimenter une grande partie ya population kinoise tomber na bama et sans tenir compte aussi à l'intérieur parce que il y a d'autres stations d'eau où Ezali ba usine d'ailleurs où tu y a traitement d'eau Ezali ko salama na ba différentes provinces pour ne parler que de ça en ce qui concerne Maï. Mais na oetali courant le lo oyo le chef de l'État est en train de se battre pour ne pas parler des problèmes ya chute ya Katende kobeta masolo ya Kakobola oyo chef de l'État atie mayele naye pe motema nyonso na kati ya ba barrage wana pona e produit courant ya malamu na population congolaise en général. Et soko lingo betelanga li solo ya Kabila na royebisa yo Kabila za mutima mabe makasi parce que il n'a pas pu construire un barrage pour le peuple congolais mais lelo on a cité na ya Kingakati Joseph Kabila aza na barrage électrique o ya hydroélectrique o ya zali ko construire kuna. C'est vrai. Oui. Aza ko construire barrage hydroélectrique na mai ya biso ya Ntele
Il a construit 8 barrages na yé moko privé. Donc il y a yé oyo lobby a commandé que la population y a continué dans son courant. Et d'ailleurs, on a quoi la population que courant wana ce qui est bandit au salama, ce qui est commis plutôt consommable. Donc ce qui est commis consommable na rosenga na population to rosale la yango ya ofele parce que mbongo ya tongé na barrage wana ezambo na biso et il fallait que tonga barrage wana pendant qu'il était encore au pouvoir pour le peuple congolais. Et à part ça, il crée encore son usine ya traitement d'eau na Kingaka tikuna oya koluka apese yango na ba paisible citoyen ba wana ko futa mbongo. Donc na Kinshasa awa to rokoma na SNEL Kabila, to rokoma na régie des eaux Kabila avec nos propres frais à ke à tongi ba usine mi balo na lobby ya courant, donc plutôt usine ya mai na barrage hydroélectrique abanda ko sala na yango commerce na mitu ya ba congolais tala degré ya kimutema mabe mona mboko so ba kabila za mutema mabe mona mboka ka bino mo ba IDPS bo ba kabila c'est un homme sérieux, c'est un homme honnête, mais le lok baloki ko benga ye mutema mabe mona mboka. Non, écoutez, je voudrais vous ramener à comprendre une chose. Nous avons connu les problèmes, il y a Vital Kamerhe et Nakati Mboka na biso. Vous comprenez? Ba détournement, ba makambe salamaki, il a été interpellé, il a été arrêté. Mais si vous demandez au chef de l'État, il a toujours dit que Vital Kamerhe, c'est un homme de confiance, c'est un homme correct, c'est un homme honnête. Vous comprenez? L'honnêteté ezalaka na ba dimension na yango pe. Tant que Tolobaki Keno Kabila, c'est un homme correct. Ce n'était pas en rapport na parcours politique ya Joseph Kabila. Ce n'était même pas en rapport avec, je dirais, parcours na yemoko ya vie. Comment il s'est comporté? Parce que si nous voulons dans le passé, Torotale que Kabila a été pour beaucoup dans la gestion yambo cannabis. Oyo, si aujourd'hui nous avons des Rwandais qui nous traquent, qui nous dérangent, c'est Kabila qui les avait amenés, qui les avait insérés dans l'armée et ben infiltré cannabis. Pour ne pas citer Bato Bakoufa et Belen Ambo Cannabis, ba Beta Bango Massassi sous le régime de Joseph Kabila, Naba et Belé Obakimaka Mboka Oyo. Mais quand le CG Kabuya avait dit que Kabila était un homme correct, c'était en rapport avec l'alternance. Parce que cette fois-là, Kabila a été poussé par ses collaborateurs, il y a qu'on s'accrocher quand on a pouvoir. Il y a qu'on s'accaparer quand on a pouvoir. Et il y a même d'autres partenaires naïés extérieurs. Oh, ben, il y a ça Salara Ndongo, Salara en 2011, Bimisa Bachar Nanzela, Matouze Betama, Bissot Touya, qu'on soutenir. Mais cette fois-là, Kabila a été correct parce que mandat n'a été celui-là qui, il n'avait pas son dauphin. Son dauphin était Chadari, qui n'avait pas gagné les élections. Oyo a échoué qui, alors il fallait qu'il na Kabila a respecté la voie démocratique et la voie juridique oezali na kati ya constitution na biso atika mutu oyo abimaki akota na exercice ya pouvoir na ye. C'est ainsi qu'il avait accepté passation du pouvoir pacifique basali remise et reprise dans le président Félix Antoine Tshisekedi. Sur cet angle-là, Kabila a été correct. Donc, on a rectifié. Na yebisi na batu. Quand l'UDPS, par le truchement de CG Kabuya, alors que Kabila était un homme correct, c'était en rapport avec sa gestion politique, non, ou en rapport avec son parcours dans notre pays. Non, non. Mais c'était en rapport avec l'alternance et en rapport avec le résultat issu des urnes. Il y a l'élection, il y a le 30 décembre 2018. Non, écoutez, le fait que Tshisekedi a parrainé qui entré à AFDL. Non, ceux qui a parrainé à Kayango, il allait partager le beefsteak ensemble avec eux. Lui n'avait pas d'ailleurs parrainé. Vous serez d'accord avec moi. Tant que guerre est bandit Kondongwana Kuna, Bamasasu Basali Koya, avant même que le nom de Laurent Désiré Kabila est à la cité. Mais Mobutu l'avait invité na Nice, na France, pendant que Mobutu était malade. Bakenda ki basolo la ki, il était question parce que à cette époque-là, tout
toute la population zaïroise confiance na bango ezala ke pa Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui était le seul opposant qui défendait le peuple. Alors tant baké bakutani question ya population ezala ki ko Mobutu a nommé Etienne Tshisekedi premier ministre pour na gouvernement ya sika et salama et gouvernement on a ndé lingai ko permettre na le ministre à défense soit lingai ko kota assalamu salam alamu pour défendre l'intégrité territoriale mais malheureusement tant Mobutu ayé a moni batu ndenge bayaki ko yamba ye akanisa ke batu bayaki ko yamba ndé ye oh batu bayaki ko yamba attente ezalaki et pas de Mobutu donc attente ezalaki pas na bango causé la que Mobutu a réagi en attente na bango ya ko nommé Etienne Tshisekedi premier ministre et simbité tango simbité alors peuple alo bayiko Kabila Mouze Aya Ayako délivré biso et quand tu lui venais c'était sous le nom ya AFDL vous comprenez un peu tango bakoti awa na sima na yangonde Joseph Mouze Kabila a nommé le biso James Kabarere comme état chef d'état major Ouazala qui est à la fois chef d'état-major congolais, et chef d'état-major rwandais. Donc au même moment, il dirigeait les deux armées, n'est-ce qui cause la possibilité à quoi infiltrer. Et il y a qui cause à amplifier cette infiltration, on a par Joseph Kabila, dans il y a bah, différents groupes armés, M23, tous ces généraux-là, tous ces haut gradé ba koti sibango na kati ya armée et lelo oyo to komi konyo kama parce qu'il y a l'infiltration donc Etienne Tshisekedi n'avait rien à faire na kati ya makambo italaki entré ya AFDL topé infiltration rwandaise na kati ya République démocratique du Congo. Merci beaucoup président Gustave ba imboka ba simple pena bik pona histoire sur mettre la bango na mboka tous les recours de kamitali est au kondongo yi makasi deux jours ou trois jours entre nakati ya mboka ya bunga bungaganda oyo ba yimboka bazoku ba kimi deja ville deja parce que ba yi M23 ba sidi ko s'encaparer nakati ya ville ba se okuta na nzela ya Uganda oyo te ba ki Uganda za li partenaire na biso oyo to spécial confiance ko ba ko lito ko ti sa infiltration ya ba yi ADF ba ko ti sa ba rebelle nakati ya territoire ya République démocratique du Congo président na merci beaucoup omoni na dossier wana d'abord parce que vous avez cité l'armée ougandaise qui n'est pas encore officiellement citée par notre armée vous comprenez donc na lingite to se fier beaucoup plus na ba rumeur de 1 et puis de 2 to yebi ko Rwanda na Uganda babunda na sol congolais ba beta na masasi. Donc c'est pour vous dire que entre Bango Mibale, climat pendez à la malamouté. Et d'ailleurs, le président Félix Tshisekedi avait joué le rôle ya médiateur entre le président rwandais et le président ougandais. Bazala qui vraiment na baronkine makasi tant où il a eu pouvoir, tant le président Félix Tshisekedi a eu pouvoir, il y a créé moi médiation. Et l'armée qui est venue officiellement nous aider na traque ya ba ADF, ba FDLR consort Ezali armée ougandaise. Mais le lo oyo, le ko la Rwanda peut-être à sentir déjà que nos frappes zoya makasi na coalition oyo salami ya ba armée ya ba état major ya ba différentes armées donc ya Afrique centrale a komi kobanga peut-être que ba timbeli kende ya za cible le ko la Congo azo pe sa confiance na Uganda ba koki ko utiliser peut-être bateni parce que ces gens-là utilisent même nos tenues. Ils peuvent utiliser bateni ougandaise kokota na yango pour créer, je dirais, une méfiance, ouais, ou soit la crise de confiance entre le Congo et, je dirais, l'Ouganda. Oh, biso na bisika wana, le kola na nou armé na biso. A précisé que c'est l'armée ougandaise qui nous a attaqué. On ne peut pas monter au créneau pour cracher ou soit critiquer ou parler à mal contre l'armée ougandaise. Mais dis-moi, nous demandons à nos militaires et à notre armée de rester toujours prudente l'armée. L'armée doit rester prudente et vigilante partout dans la frontière na biso. Tozali ko bundana batu bazali ko accompagner biso mais lobby territoire pe sa bango 100% ya confiance parce que
toyebi le passé ndengini ezalaka. Et puis troisièmement, Bunagana ezali je dirais un terrain, une partie il y a République démocratique du Congo où ezali en frontière na Rwanda et aussi une partie na Uganda. Vous comprenez? Alors Batouana bango bakoteli na direction ya Rwanda nde bakoteli ba attaquer biso. Et salaiko bakotaki journée ya lobby na 7h du matin babeti parce que ils avaient surpris, vous comprenez? Bakoti parce qu'il y avait un renfort ya armée rwandaise ba ye na ba arme na bango ya longue portée babeti notre armée était obligée ya kosala repli. Alors tango basali repli donc c'est-à-dire ba se retirer ko se retirer et lobite ke non ba kimi non na ko se retirer wana ba ko ko benda na pou arrêter maintenant de stratégie savoir comment maintenant on peut contre-attaquer l'adversaire nde ba ki kosala retrait pendant que basala ki retrait. Na Kinshasa awa un renfort ya ba jeune na biso o ba utaki formation d'ailleurs na pesi peuple congolais ba mbote belé na ba félicitation belé comment est-ce que balaki sa ki soutien na bango pe bolingo na bango et pas ya ba militaire tant baza ko mata na ba mituka ko kende lobby vraiment vers ba 11h on les a vu comment est-ce que bandai ko beti la bomba boko ya ko kababilo ka kolia bazo pesa ba militaire bilo ka kolia ya ko pesa mo mbongo mo 100 francs mo 200 francs quelque chose ba pesa ki c'est ça le patriotisme likambu oya guerre oyo eza likambu ya opposition te eza likambu ya parti au pouvoir te c'est un problème oyo ba congolais en général il faut ba récupérer territoire na bango. Et Dieu merci pour votre information. Tangou Bakoti, ils ont procédé par de pillage. Yabandako, Bakuta qui vide, Bandiko, Iba Biloko. Ba rebelle, non? Bandiko, Iba Biloko, Nabandako, Batika qui, Bakuta qui vide, Bayibi Biloko. 20h, à partir à 19h, 20h, armée congolaise, Ba FARDC, Bilombe Mibali, Ba monter Siko na offensive. Ta na offensif wana ba beti ti tokoma ba 23h01 ba nyangala kato wana ba pakati mbangu ils ont laissé Bunagana et loko na sepeli na yango ezali un général rwandais ba bomie ba barre na kati ya bitumba wana donc général na ba moko a daye. Trois officiers na bango baza en détention ba kangaki bango ba prisonniers de guerre trois ba tiki ba armé ba tiki biloko belé et deux autres militaires idéron bazala ki pe arrêté tala eloko elakisi force de frappe oyo ba congolais ba nango dona minute to tozolo ba boye Bunagana eza na maboko ya armée régulière donc ya ba FARDC na biso Obisika nyoso ozali na sengi na yo obetela bango maboko parce que FARDC bazali bilombe mibale. Malamboka, au juste qu'est-ce qui ne va pas avec la Est République du Congo? Bayimboka banyuma yebe ezala problème nini malamboka nanga? Est na biso wana problème ezalaka ka ba minerai. Do bazo kufela ba minerai parce qu'il y a des minerais rares. Oyo na bamboka mususu ezali te mais oroya okute yango kaka na République démocratique du Congo. Et précisément na est le lo au monde entier ezo vivre nzela ya cobalt je m'excuse nzela ya cobalt ezo sala mituka cobalt ezo sala ba téléphone cobalt ezo sala voir même les ordinateurs donc vous serez d'accord avec moi que aujourd'hui quand vous avez ces cobalt là vous êtes riche pour ne parler que de ça et alors le roi n'en a pas mais bon monaki Rwanda mikolo et les kaka je crois c'était en 2020 ou bien de, je crois que c'était en 2020 au Rwanda basalaka essaye ya téléphone na bango ya liboso na 2020 ils ont fabriqué des téléphones ils ont commencé à vendre des téléphones ba matière bango ba osela téléphone ba zongo wapi mais ba zongo kana est wana
économie à Rwanda mataki melelo o banda le président Félix Antoine Tshisekedi a appliqué politique moko ya mboka na biso d'abord et ça dit que l'économie rwandaise et ça la kokita na se donc cause majeure raison ça là que bitumbe za la ka régulièrement na est ezali parce que il y a des gens qui veulent exploiter illicitement le minerai ya peuple congolais. Au lieu ba kota na voie moko légal, ba somba ngo na voie moko légal, mbonge kota na caisse ya l'état peuple a bénéficié, bango bazomo na soye ba ke na nzela na ekosimba te, nde ba mususu pe ba congolais na biso ba créa ba groupes armés, ba petit na bango o ba kendara na ba mine, soye ba ke ba sali ba désordre kuna, ba yibi minerai ba kei na yango. Un jeune élève rwandais assez courubake na classe na bango tang sa bango parti ya Bukavu na li parti ya Rwanda parce que sinaka ko aider RDC na ko ben na dictateur Mobutu yongona Laurent Désiré Kabila ki bango une grande partie ya Bukavu wana mona non ya écoutez na yebi sa d'abord mwana wana aza d'abord Zuba ce petit rwandais là c'est un bourrique aza vraiment fourbe na ndemo ya sakanati. Est-ce que Bayebissie que un président a le pouvoir de céder une portion de terre? Un président élu ou pas? Même au Ayen Anzela et rébellion comme Mouzé Laurent Désiré Kabila là. Par quel acte juridique Oyoye Akoki Kozwa audacité Yakol Bakeno Nazui Bukavu Oyo na Pesi Yango soit na Rwanda to na zui Nord Kivu na pesi on na Rwanda parce que ba yeko accompagner biso to benga na dictateur non ba petu wana ba bazuba omoni ba okande ba lara miki wana ba nzoto na bango kona na ba tête gaya lokola momboya donc allez-y comprendre que mitu wana ezala na elo côté na kati voyez un peu alors soki Mouzé Kabila akokaki ko récompenser bango. Il allait peut-être les faire na kosenga bango facture. Ndo yo kaka Etienne Tshisekedi, tu vivant na ye. Oyo bazwa kae bakendaka kotinda ekuna na kabe yaka mwanga kende kofanda batinde na ba tracteur kende kosala bilanga. C'est justement parce que il avait dit na Mouzé Kabila yebisa biso nyongo oyo ya ba Rwandais facture na bango ndenge bayaki ko aider yo obengana Mobutu. Ezali combien to futa facture wana bazonga na mboka na bango parce qu'il commence à maltraiter manipuler notre population. Ebi ke ba Rwandais le Kadogola nous ont beaucoup tué ici à Kinshasa. Nous avons raté même là-bas on na yebaka que na rata liwa mukolovie vatavata kufa ma sa sipenda. On était là, on était assis. C'était comme aux aventures comme ça ba yena ba ba meli na bango parce que ba ki so ba meli masanga kangi ba bando beta masasi kilikini. Na obeta masasi wana paf abeti masasi ezu le vieux vatavata akweya wazala musicien akweya adayaka kabui donc toye bako na mboka na biso lelo oyo toza na nyongote ya kopesa na Rwanda biso peuple congolais jamais et si on peut dire que les hommes passent les institutions restent s'il y avait une telle dette moi j'aimerais que dette wana eleka na parlement. Ba étudier dette wana sur ezali à combien to futa bango nyongo na bango mais mabele na biso to kotikala ka jamais ko céder mabele na biso non on nous paye jamais donner une portion de terre en récompense ça ne se fait pas wana ezali lokola bozo wa richesse il y a des générations en générations bozo ka bango non on ne peut pas le faire. Donc ceux qui roulent dans l'autre arabongo aye barakue, on ne tirera jamais au zoyango. Merci beaucoup président, on ne peut pas le faire. Donc quoi de ça sous Ketali, Makamotali, ma première 2023. Oh l'électorat, je suis déjà qui étudier na kati ya ensemble national, mais tout ce que moi déjà chunga que Jean-Pierre Bemba basi kozala koza éligible en 2023 na mana élection passée au Azaki ya qui éligibilité à ce que vous avez dans la course, le domaine est peut-être ce qui est d'appeler cette éligibilité, mais vous coupez sa matata éligibilité. Pourquoi? Non, écoutez, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui a donné directement je dirais, la légibilité na Jean-Pierre Bemba. Non, Ezali était, vous comprenez? Ezali na mandat na ye oui.
c'est parce qu'il ne veut pas s'impliquer dans les institutions, dans le fonctionnement. Il dit que chaque institution a fonctionné indépendamment. Donc, a joué dans l'indépendance, au lieu de recevoir une injonction, le chef de l'État n'est pas comme ça. Et si aujourd'hui, l'OANA est traité dans le Parlement, cette loi ne vise pas l'individu Jean-Pierre Bemba, mais cette loi vise les citoyens congolais ou à cause de la peut-être lobby n'a pas ça apostillé. Alors, si arrivait que Jean-Pierre Bemba Koutani na grâce wana, ya keno azala légible, voyez un peu. Donc, moi je pense que Erosala Nango Mabete, Erosala Nango. L'issoumouté, mais ce qui m'attend en pogno à Koutani na grâce ou anate, y'a que non à la partant na course électorale et ça m'a bien aidé mon moutir au kangaït. Donc yango le lo au yonga na kolinga avant to approfondir ma cassure sur cette loi na rolinga yango ce qui basile si yango et comme il promulgué et c'est par là que tu rouya pour tout ça là. Un grand débat sur ça. Mais jusque-là, on a dit que nous allons nos propositions, nous allons voter certaines lois et nous allons solliciter. Merci beaucoup, Mboka. Tu as une émission de la BISO. Mboka, tu as retenu ni dans le courant de l'eau. Mboka, tu as retenu que RDC, tu as dit Mboka Moko laïque, tu as dit Namingi, tu as différentes religions, tu as respecté les religions. Ya muninga et aussi na lingi koyebisa na basali mususu ya nzambe o bazolinga peut-être bazwa mboka na biso un otage surtout ba oyo balata beaucoup plus ba nzamba la ba sultan donc toujebisa bango bo sambela rande nzambe minga kota kimia na kata Congo bolongo la makanisa mina ko soutenir ba rebelle bino na mona kisango moko azotelemela proposition oyo Ezomaki, topé de décision ou Ezomaki est pas le commandant suprême, y a quoi attaquer bas groupe rebelle Nyoso Bazali, kotia instabilité na est na Bisokuna. Na mona ki sangwa telemelango, mais sangwa zobo sanake, même na kati ya Bible, Israël abundaki, pour na rejoindre intégrité territoriale na ye, Israël abundaki. Donc, obunda lelo, pour na intégrité territoriale, ne constitue pas un péché. Et puis de deux, na lingina ebisa na ba Congolais no sobiska bozali bunagana ezali bel et bien na maboko ya armée congolaise to lingana hein pona mboka na biso e kende liboso to soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi parce que na phase auto zali na yango il a besoin de notre soutien, l'armée congolaise a besoin de notre soutien, nous devons aider soutenir notre armée na ba façon nyonso eza na ba prière sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan moral. Na pesi bambote na ngai na ba nyonso balinga Gustave Lutumba +243 89 457 33 88 +243 989 703 à la fin. Na pesi mbote na maman Nelly, na pesi mbote na maman Annie Kongolo mikolebele makasi na maman Nelly, na pesi mbote na maman Bijou Lekan, na pesi bambote nanga na prof Kazadi, na pesi mbote aussi na excellence Nicolas Kazadi et pourquoi pas excellence Didier Boudimbu bambote belé ba wario nso ba osala musala malam na pesi bino mbote soutien nanga makasi na FARDC na pesi bino e belé ya bambote na bosanité parce que wana na ko jamais ko bosana bambote belé non le secrétaire général Augustin Kabuya mwana buta coup de chapeau na rencontre ou te ko salama dernièrement il y a ba comité fédéraux en tout cas na sepela ki makasi na likanisi wana et na profiter na occasion ngo ko yebisa na ba fédéraux botika ba aventure to sala musala to accompagner mwana buta to conserver les pouvoirs pour na 2023 ezala malamu mingi. Merci beaucoup. Vous me ketta que jamais joyeux anniversaire à moi en Boka Pierre toi tu sais qui dit 59 ans. Oui hein, oui hein, ba joyeux anniversaire belé na ye hein, le président Félix Antoine Tshisekedi papa ya bana, papa béton. En tout cas, oumela na libela na libela hein, oumela, c'est-à-dire ba longue vie à vous le chef de l'État. Ba bonne chose au te souhaiter na yo
dans l'occasion, il y a anniversaire. Merci beaucoup, mon brother Gustave. Merci, mon brother. Téléphone. Ou... Plus 243 89 457 33 88. Plus 243 989 703 à la fin. Tous mes deux numéros et zappé naba WhatsApp. Merci beaucoup, mon amour. Merci beaucoup. Ami Kiwana, Bansoto, Nabaré, Konana, ba tête Gaïa, Lokola, Momboya. Donc, allez-y comprendre que Mituane Zalana est le côté Nakati. Voyez un peu. Alors, ce qui Mouze Kabila a koka qui ko récompensé Bango. Il allait peut-être les faire nakosenga bango facture. Ndo yoka ka Etienne Tshisekedi tu vivant na ye. Oyo bazwa ka ye bakendaka kotinda ekuna na kabe ya kamwanga kendo kufanda batinde na batracteur kendo kosala bilanga. C'est justement parce que il avait dit na Mouze Kabila yebisa biso nyongo oyo ya ba Rwanda facture na bango ndenge bayaki ko ede yo obengana Mobutu. Ezali combien te fout ta facture wana bazonga na mboka na bango parce qu'il commence à maltraiter, manipuler notre population. Oui, que ba Rwanda les Kadogola nous ont beaucoup tué ici à Kinshasa. Nous avons été, nous avons raté même là-bas on a na yebaka que na rata liwa mukolovie vata kufa ma sa sipenda. On était là, on était assis. C'était comme aux aventures comme ça ba yena ba ba meli na bango parce que ba so ba meli masanga kangi ba bando beta ma sa sikiliki. Na obeta masasi wana pafa beti masasi ezu levie vatavata akweya wazara musicien akweya adayaka kabui donc toyeba ko na mboka na biso lelo oyo toza na nyongote ya kopesa na Rwanda biso peuple congolais jamais et si on peut dire que les gens passent les institutions restent s'il y avait une telle dette moi j'aimerais que dette wana eleka na parlement. Ba étudier dette ou on a sur les alliés à combien? Te fout à bango ni on a bango. Mais ma belle na biso, te kotika la ka jamais concédé. Ma belle na biso. Non! On ne peut jamais donner une portion de terre en récompense. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ou on est allé, le cola, besoin de la richesse, il y a des générations en générations, besoin de kabayango. Non, on ne peut pas le faire. Donc, ce qui est Rwanda, l'autre, à Rabongo, à Ebarake, à Routigalara, jamais, aux Oyango. Merci beaucoup, Président. On ne peut pas le faire. Donc, quoi de ça, sous Ketali, ma Kamotali, ma première 2023. Oh, l'électorat, je sais déjà que ça, vous étudiez, Nakati, à l'Assemblée nationale. Mais tout ce que moi, déjà, Tchunga, que Jean-Pierre Bemba, Bassi, vous allez éligible en 2023, ou na élection passée, ou à Zaki, à. Qui est éligible à ce que vous êtes en course, le monde est en train de se faire de l'éligibilité, mais vous pouvez couper sa éligibilité. Pourquoi? Non, écoutez, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui a donné directement je dirais, la légibilité na Jean-Pierre Bemba. Non, Ezali était, vous comprenez? Ezali na manda na ye, oui. C'est parce que il ne veut pas s'impliquer na ba institutions na fonctionnement na yango. Alingi que chaque institution a fonctionné indépendamment. Donc aza a jouri na indépendance na ye au lieu à recevra ka ba injonction, le chef de l'État n'est pas comme ça. Et si aujourd'hui loi na Ezali traité na kati ya parlement, cette loi ne vise pas l'individu Jean-Pierre Bemba. Mais cette loi vise les citoyens congolais ou à cause de la peut-être lobby n'a pas apostillé. Alors si arrivé que Jean-Pierre Bemba Koutani na grassouana yakeno azala légible, voyez un peu. Donc moi je pense que Erosala na yango mabete ekosala na yango lisumute mais ceux qui matata mponyo akutani na grâce ou anate, yakeno azala partant na course électorale. Eza ma bena yende mo moutiro kangaït. Donc, yango lelo oyo nga na kolinga avant, to approfondir ma kasu sur cette loi. Na rolinga yango, soki basili si yango, et komi promulgué. Et c'est par là que to royapo na tout ça là, un grand débat sur ça. Mais jusque là, na ebi ke zali na nos propositions. Bazali na nous kobundana po na ko voter certaines lois oyo na nous ba solliciter. Merci beaucoup mboka to nous soumettre na biso ba mboka ba ko retenir ni na mukura lelo. Ba mboka ba ko retenir que
RDC tozali mboka moko laïque to lingana mingi tozana ba différentes religions mutu la muta respecter religion ya muninga et aussi na lingi koyebisa na basali mususu ya nzambe o bazolinga peut-être bazwa mboka na biso un otage surtout ba oyo balata beaucoup plus ba nzambala ba sultan donc toujours ça bango bosambe la rande nzambe minga kota kimia na kata Congo bolongo la makansa mina ko soutenir ba rebelle bino na mona ki sango moko azo telemela proposition oyo ezomaki topet décision oyo ezomaki par le commandant suprême ya ko attaquer ba groupe rebelle nyoso bazali kotia instabilité na est na biso kuna na mona ki sango telemelango mais sango azobosa na ke même na kati ya Bible Israël abundaki pona kozwa intégrité territoriale na ye Israël abundaki donc obunda lelo pona intégrité territoriale ne constitue pas un péché et puis de deux na lingina ebisa na ba congolais nyoso bisika bozali bunagana ezali bel et bien na maboko ya armée congolaise to lingana hein pona mboka na biso et kende liboso to soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi parce que na phase o tozali na yango il a besoin de notre soutien. L'armée congolaise a besoin de notre soutien. Nous devons aider, soutenir notre armée. Na ba façon nyonso eza na ba prière sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan moral. Na pesi bambo tenangai, na ba nyonso balinga Gustave Lutumba, plus 243 89 457 33 88. Plus 243 989 703 à la fin na pesimbote na maman Nelly na pesimbote na maman Annie Kongolo mikolebele makasi na maman Nelly na pesimbote na maman Bijou Lekan na pesimbote nanga na prof Kazadi na pesimbote aussi na excellence Nicolas Kazadi et pourquoi pas excellence Didier Boudimbu bambote belé ba warion nso ba osala musala malam na pesi bino bote soutien na nga makasi na FARDC na pesi bino e belé ya bambote na bosanité parce que wana na ko jamais ko bosana bambote belé non le secrétaire général Augustin Kabuya mwana buta coup de chapeau na rencontre outé ko sala ma dernièrement il y a ba comité fédéraux en tout cas na sepela ki makasi na likanisi wana et na profité na occasion ngo koyebisa na ba fédéraux botika ba aventure to sala musala to accompagner mon abuta to conserver les pouvoirs pour na 2023 ezala malamu mingi. Merci beaucoup vous mec tant que jamais joyeux anniversaire à moi en Boka Pierre toi tu sais qui dit 59 ans. Oui hein oui hein ba joyeux anniversaire et belé na ye hein le président Félix Antoine Tshisekedi papa ya bana papa béton en tout cas oumela na libela na libela hein oumela c'est-à-dire ba longue vie à vous le chef de l'État ba bonne chose au te souhaiter na yo na occasion il y a anniversaire na yo. Merci beaucoup mon brother Gustave. Merci mon brother. Téléphone nous. Plus 243 89 457 33 88 plus 243 989 703 à la fin tous mes deux numéros et zappé na ba WhatsApp. Merci beaucoup mon brother. Merci beaucoup. Thank you.